필립 구글레는 프랑스 유명 TV 프로그램 및 라디오 방송 진행자입니다. 지난주에 구글의 라디오 방송에 출연하게 되었는데요. 한국이라는 나라와 한국 음식, 한국 문화를 주제로 이야기를 나눌 수 있었습니다. 같이 들어볼까요? Et si on partait, nous sommes aujourd'hui en ligne depuis Séoul avec un Français qui a un destin qui est juste incroyable. Il est souvent présenté là-bas comme le plus coréen des Français. Sa vie, elle est là-bas depuis 13 ans. Il s'appelle Fabien Youn. Bonjour Fabien. 안녕하세요. Bonjour. 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 Ah, vous le faites bien. On sent que vous avez l'habitude de dire bonjour en coréen. Il est quelle heure à Séoul là? Alors, il est 6h14. Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre? Alors, je suis en plein cœur de Séoul et j'ai la chance d'avoir une très belle vue. Donc, je suis en face de la magnifique montagne d'Inwangsan et des remparts historiques de la ville. Ah. Et il y a actuellement un magnifique ciel bleu aux teintes veloutées, un soleil safrané, flavescent. Donc, je suis dans des conditions idoines pour discuter avec vous de la Corée. Ah, c'est pas mal. Un poète. On a envie d'aller s'installer dans votre appartement. Surtout qu'il fait tout gris là. C'est pas du tout agréable à Paris. Alors, votre histoire est assez dingue. Hein. Alors, j'essaie de la raconter vite fait. Vous me direz si je me trompe. Votre mère, enfant, vous trouve un peu trop petit, un peu trop mince et vous pousse à faire du taekwondo, qui est un art martial très populaire en Corée. Donc, vous apprenez, vous, en France. C'est un art où on donne des bons coups de pied. Et là, c'est la révélation. Vous adorez ce sport. Vous adorez, du coup, la musique coréenne. Vous devenez fou de ce pays. Et un jour, vous décidez d'aller vous y installer. C'était pour y faire quel métier au départ? Alors, moi, je suis arrivé dans cette ville avec pour seul viatique une petite valise et mon dobok. Comme vous l'avez résumé, donc le taekwondo, c'est vraiment la ligne conductrice de toute ma vie. Donc, les valeurs du taekwondo, courtoisie, intégrité, il y a persévérance, maîtrise de soi, courage. Ce sont des valeurs qui m'ont guidé depuis l'enfance et dans tous les aspects de ma vie, personnelle ou professionnelle. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu en Corée. Au début, j'étais curieux, je voulais apprendre le taekwondo à la source, donc je ne suis pas venu pour le travail. Vous avez appris le coréen, parce que c'est extrêmement difficile d'échanger en coréen. C'est une des langues les plus difficiles pour un français, en tout cas. L'ordre des mots est complètement différent par rapport à nous, donc j'ai appris, on va dire, à la coréenne, c'est-à-dire j'apprenais 8 à 10 heures par jour, donc j'allais en cours 5 heures le matin à l'université, et l'après-midi j'allais faire mes devoirs chez moi, donc je voulais pouvoir communiquer, faire des rencontres, et puis pouvoir en apprendre plus sur la Corée et les coréens. Et quand vous dites 10 heures par jour à la coréenne, ça veut dire que là-bas, dans ce pays, on bosse beaucoup. Ouais. L'éducation est très très importante, et on étudie vraiment de manière très intensive. Pour moi, petit français qui n'avait pas l'habitude au début, c'était un petit peu déroutant, mais au final, j'étais vraiment très motivé, puis c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. C'était pas quelque chose qu'on me forçait à faire, aller en cours, c'était parce que moi je le voulais, c'est moi qui ai voulu m'inscrire à ces cours. Donc, j'ai vraiment travaillé très dur pour pouvoir réaliser cet objectif de parler coréen. Alors, vous allez ensuite reprendre des cours de théâtre, vous allez participer à des castings pour des feuilletons TV, des telenovelas coréennes, hein, qu'on appelle là-bas des dramas. Vous êtes très apprécié là-bas en tant que français. Qu'est-ce qui leur plaît chez vous aux Coréens? Les Coréens aiment beaucoup le fait qu'ils puissent partager pas mal de choses avec moi, puisque je suis un étranger qui vient d'un pays d'une culture très différente comme la France, mais j'ai été bercé dans la Corée depuis que je suis tout petit, puisque j'ai grandi avec le taekwondo, donc pour moi c'était plus qu'une passion, ça fait grandement partie de mon éducation. Il y a une chose assez déroutante quand on débarque en Corée, c'est le rapport à la politesse. Il y a une extrême politesse des gens. Moi, je l'ai découvert dans un train, forcément, parce que c'est un peu ma spécialité. Et alors là-bas, les contrôleurs dans les trains, ils ont des gants blancs. Chaque fois qu'ils entrent dans une voiture où il y a les passagers, ils font un salut. Ah, ouais. Ils s'inclinent comme ça, par respect pour les passagers, une petite courbette. Et ils sont extrêmement respectueux. Et d'ailleurs, ils ne contrôlent pas vraiment si vous avez un billet. Ils regardent s'il y a des places qui sont occupées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Parce qu'évidemment, tout le monde respecte scrupuleusement sa place. Donc s'il y a quelqu'un qui a une place qui ne devrait pas être occupée, il sait s'il y a une fraude ou pas. Mais il n'y en a pas. On ne fraude pas, ça ne se fait pas. Ah, c'est un voyage pour nous. Hein. Ah oui, c'est des paysans. Elle est incroyable, cette politesse, hein, Fabien. On est dans une société extrêmement confucienne. Donc, les valeurs importantes du confucianisme, ce sont l'éducation, le respect des aînés, la piété filiale. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'un Coréen de frauder dans le métro ou de ne pas payer son ticket dans un train. Et d'un autre côté, toujours être poli, respectueux envers les aînés, ce sont des valeurs qui sont vraiment très, très importantes. Bon, la société évolue très vite en Corée, les mentalités changent également très vite. Le confucianisme qui a été introduit en Corée, c'est au 14e siècle, donc au début de la dynastie Joseon. C'est une valeur qui est vraiment très très implantée en Corée. Et comment ils nous perçoivent alors justement, nous Français? Comme des gougnafiers ou pas?
vous savez, la politesse est différente pour chaque pays, je pense. Donc, des choses qui sont considérées comme mal polies en France ne le seront pas spécialement ici et vice-versa. Non. Est-ce que vous avez un exemple de choses qu'il ne faut vraiment pas faire là-bas et qui, pour nous, ne représenterait même pas quelque chose d'impoli? Par exemple, faire la bise à quelqu'un, ça peut mettre une personne très mal à l'aise. Le contact physique, surtout entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Ouais. Quand on ne connaît pas cette culture, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui s'approche de soi et qui commence à frotter sa joue contre la sienne, quand on a l'habitude, ça va. Quoique, sinon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déroutant. Donc, je déconseille aux visiteurs français de faire la bise en Corée. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est de la cuisine, parce que les restos coréens, c'est très connu en France. Vous y connaissez, puisque en plus de toutes vos activités à la télévision, vous avez sorti un livre de cuisine consacré aux recettes coréennes aux éditions du Chêne. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Le plat incontournable, ce serait quoi? Bibimbap. Parce que c'est bibimbap. Quand on pense à la cuisine coréenne, on pense souvent soit au barbecue coréen, parce que c'est vrai que c'est excellent, c'est pas l'épitomée de la cuisine coréenne. Je préfère vous parler, puisqu'on est en plein été, du samgyetang par exemple. Donc une soupe de poulet au insam. C'est une soupe de poulet avec des dattes et du riz gluant qui est servi brûlant. Et c'est très intéressant puisque ce plat, il va être mangé lors de ce qu'on appelle ici le sambok, qui sont les trois jours les plus chauds de l'été selon le calendrier lunaire. Et en Corée, on a un concept qui s'appelle liol tiol et qui pourrait se traduire littéralement par combattre le feu par le feu ou lutter avec la chaleur contre la chaleur. Quand ils vont manger cette soupe, c'est marrant parce qu'ils vont utiliser l'expression « Oh, shiwanada, shiwanada », ce qui veut dire « Oh, c'est frais, c'est rafraîchissant ». C'est paradoxal quand on mange un plat qui est vraiment brûlant. Ah oui, mais ça fait vraiment du bien de manger du brûlant quand il fait très chaud. Et moi, au début, il faisait très chaud, manger un plat chaud, j'avais plutôt envie d'aller me mettre dans un frigo. Et au final, c'est vrai qu'on s'y fait. Je commence à comprendre un petit peu cette notion de shiwanada, du fait que ce soit rafraîchissant. Et vous savez, moi, je connais le même truc en France. Mais ça, je ne sais pas si ça se fait dans ma région, en Franche-Comté. On adore manger des fondus au mois d'août, en terrasse sous le soleil. Et franchement, c'est à peu près le même. Moi, j'adore ça. C'est à peu près le même concept. Et c'est très bon, c'est délicieux, ça passe très bien. C'est qu'il y a des poulpes vivants dans la vitrine. Il y a énormément de fruits de mer que l'on ne connaît pas en France. On mange également donc des algues, on appelle ça kim ici. Et c'est extrêmement bon. Ouais. Et c'est très bon pour la santé. Et c'est ce qu'on appelle les super aliments. Donc c'est un des aliments du futur, puisque ça coûte pas cher à produire. C'est écologique et c'est très nutritif. Moi, je mange du kim tous les jours avec le riz. Il suffit juste d'avoir du riz, un petit peu de kimchi et du kim. Et j'ai un repas vraiment très nourrissant. Mais franchement, le kimchi et tout, c'est kimchi, super. Le bibimbap. C'est super, j'adore. J'ai l'impression que le kimchi, c'est bon. Est-ce qu'il fait lui-même son kimchi? Ça m'arrive. Donc, on a une période où on fabrique le kimchi. Donc, ça s'appelle le kimjang. Donc, c'est au mois de novembre. En fait, tout le monde se réunit. Alors, soit entre familles. Moi, je me réunis dans la famille d'amis coréens à moi. Et en fait, on va faire donc le kimchi. Donc, c'est un condiment donc, qui est vraiment incontournable dans la gastronomie coréenne. Donc, c'est un plat qu'on appelle banchan. Donc, c'est un plat d'accompagnement qui va toujours être sur la table, on va dire, dans 90% des cas quand on va manger dans un restaurant coréen. Donc, c'est du chou fermenté, mais comme en France on a, comme le disait le général de Gaulle, 268 sortes de fromages, en Corée on a également une infinité de sortes de kimchi. Donc on a du kimchi blanc pour les personnes qui n'aiment pas le kimchi épicé. Donc vous habitez à Séoul. Je voudrais qu'on décrive un peu cette ville qui est assez incroyable, parce que à la fois elle est très moderne, très high-tech, vous avez des grands écrans digitaux partout, et puis en même temps vous avez des quartiers traditionnels préservés. Le tout se mélange, c'est un curieux mélange, et en plus avec des gens je trouve plutôt cool dans cette ville. Comment vous la décririez, vous? C'est ça, mais en fait c'est vraiment une harmonie. Comme vous savez, le drapeau coréen, donc il y a au centre ce qu'on appelle le Taeguk, donc c'est vraiment une harmonie et ça représente bien la ville de Séoul. C'est un poncif, mais le mélange entre tradition et modernité, c'est vraiment la caractéristique qui définit le mieux la Corée du Sud et sa capitale, Séoul. D'un côté, vous avez le béton qui croque les rues, les bâtiments qui viennent chatouiller le ciel. À côté, vous avez un palais qui date du 14e siècle. C'est une ville vraiment empreinte d'histoire et avec une richesse culturelle extraordinaire, ultra moderne, vraiment au top de la technologie, mais tout en ayant des traditions profondes qui découlent de plusieurs générations. C'est vraiment quasiment unique au monde d'avoir 5 palais royaux parfaitement conservés ou reconstitués, avec les murailles dans une ville aussi immense que Séoul, qui compte quasiment 10 millions d'habitants. C'est le mélange qui est saisissant, je suis d'accord avec vous. On n'hésite pas à construire un truc très moderne à côté d'un palais admirablement préservé. Merci beaucoup Fabien, on pourrait parler avec vous pendant des heures. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en ligne depuis Merci Séoul. Bonne soirée à Séoul. 감사합니다. 다음에 또 기회가 되면 프랑스 방송에 출연해서 한국을 홍보하겠습니다. 감사합니다. 끝.